Désormais séparée de celui avec qui elle a passé plus de 30 ans, Luana Belmondo en profite pour envoyer un message fort aux siens. L'année n'a pas été facile pour Luana Belmondo qui s'est récemment séparée de son mari après plus de 30 ans de vie commune. Mais la chef cuisinière sait qu'elle doit se recentrer sur l'essentiel. Et elle en a d'ailleurs profité pour adresser un message particulièrement émouvant à l'attention de ses proches. La nouvelle a fait la une de la presse People en juin dernier quand le couple a annoncé qu'il avait pris la décision de divorcer. Il faut dire que le fils du célèbre acteur décédé en 2021 avait épousé celle qui est née Luana Tenka en 1990. Mais le temps a fait son œuvre et il semble que l'ancien pilote automobile a trouvé l'herbe plus verte ailleurs. Luana Belmondo a publié une photo des siens. C'est du moins ce qu'a insinué Luana Belmondo qui n'a pas manqué de tacler celui qui est désormais son ex-mari dans le cadre d'un entretien accordé à Paris Match. Elle l'a notamment accusé de l'avoir quitté pour une femme blonde et française. Depuis, celle qui s'est fait connaître en tant que chroniqueuse culinaire s'efforce de reprendre en main sa vie. Elle peut compter sur sa famille comme elle l'a encore récemment souligné. Sur les réseaux sociaux, elle a partagé ce dimanche 6 octobre quelques photos d'un repas. Sur la première, elle apparaît couteau en main en train de découper un plat de lasagne. Ensuite, c'est un cliché d'une belle tablée sur lequel il est possible d'apercevoir ses enfants en plus de quelques invités qu'elle a partagés. Luana Belmondo peut compter sur sa famille dans ce moment difficile. Elle en a profité pour écrire un message qui prend une signification bien particulière étant donné les circonstances. La famille est la force la plus puissante que je porte en moi, a-t-elle commenté. Avant d'ajouter, protégez la vôtre et accordez toujours une immense importance et du respect à ce cadeau que la vie vous a offert. Belle soirée. Celle qui s'est sentie trahie par celui avec qui elle a passé une grande partie de sa vie se recentre sur l'essentiel. Ses fils sont un soutien sans faille pour l'accompagner dans ce moment difficile. Le couple a en effet eu 3 garçons. Alessandro, né en 1991, a suivi les pas de sa mère et est devenu chef cuisinier. Victor, qui est né en 1993, a pris le chemin de la comédie comme son grand-père et est acteur. Et Giacomo, né en 1998, est mannequin. Luana Belmondo est prête à repartir. Ce n'est pas la première fois que Luana Belmondo rend hommage aux siens et souligne leur importance. Il y a quelques semaines, elle avait déjà posté une publication sur Instagram dans laquelle elle mettait en avant les siens. Et elle en avait aussi profité pour tacler ceux qui lui avaient tourné le dos après l'annonce de sa séparation. Merci à tous mes amis, ils sont très peu aujourd'hui. Il vaut mieux avoir peu d'amis, avait-elle commencé par déclarer. Avant de poursuivre, j'ai 3 enfants, j'ai ma belle-fille, j'ai mon petit-fils. J'ai beaucoup de témoignages d'amour autour de moi, ça, c'est une chance inouïe. La mère de famille avait aussi tenu à rassurer sur sa résilience. La vie peut me mettre un genou par terre. L'autre est toujours debout, prêt à repartir. Le sprint est toujours là.